Avec Freddy Lemercier. Freddy, bien sûr, c'est, on va dire, l'entraîneur désormais, puisqu'il a sa licence. On va reparler dans quelques instants de Saga Dream. Et figurez-vous qu'il y a le 194, Yo Dream, le frère de Saga Dream, qui se présente. Alors, Freddy, explique-nous un petit peu cette histoire. Tu n'es pas tout seul sur le cheval. Ah non, non, là, je ne suis pas tout seul. Le cheval, donc le poulain, comme Saga Dream, appartient en majorité aux garçons qui travaillent à l'écurie des fées, donc au LAD de l'écurie des fées. Et donc, on a décidé en commun accord, de le présenter au monde. Bien sûr, c'est parce qu'il y a Saga Dream. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce poulain-là? Je sais que c'est une question difficile, mais qu'est-ce qu'on peut en espérer? Le cheval est vraiment très beau. C'est un beau poulain avec de jolis points de force. Il a l'œil de Saga Dream, il a le comportement de Saga Dream, donc on est assez confiant et je vous cache pas que s'il atteint pas une certaine somme, il intégrera l'écurie quoi, pour être entraîné chez moi. Parce que maintenant tu es entraîneur officiel, enfin ta licence, alors comment ça se présente? Est-ce que tu as plus de chevaux, déjà un effectif qui s'est gonflé? Oui, j'ai un effectif qui s'est gonflé parce que je dois atteindre une vingtaine de chevaux à l'entraînement, dont la moitié qui appartient à des propriétaires, donc non, ça rentre petit à petit. J'ai pas encore les couleurs classiques, mais on va dire que j'ai des couleurs assez sympas et voilà, petit à petit l'oiseau fait son nid quoi. Très bien, bonne chance, merci Freddy. Merci.